Bonjour tout le monde, c'est Solinder. On se retrouve aujourd'hui en live pour le 41e épisode des aventures de Pascal Olmeta. Voilà, on avance, le nombre d'épisodes n'a plus aucun sens tellement il est élevé. 41, c'est la plus longue série que j'ai jamais faite de ma vie. Et on est encore loin de la fin. La semaine dernière, on avait réussi à choper Penny, j'espère que ça vous a plu. Avec le tweet très putaclic du genre Pascal Olmeta x Penny, ça tourne mal, voilà. Avec des clips très drôles et des moments de stream très très rigolos. On va donc du coup continuer notre partie et on va se diriger petit à petit vers l'hiver, la dernière saison que l'on ne connaît pas encore. Et on va aujourd'hui donc chercher à quand même essayer de tisser des liens avec les différents personnages de la ville, parce qu'on s'est quand même pas mal concentré sur Penny. Mais ce serait bien qu'on essaie de connaître d'autres gens, qu'on essaie de construire d'autres bâtiments, ce serait bien. Et qu'on essaie d'avancer dans les mines et dans nos collections pour changer, hein, c'est toujours notre objectif. Peut-être un jour on aura du vin, on ne le sait pas, mais ça devrait arriver. On avait rangé nos coffres, il ne faut pas oublier qu'on avait réussi à faire ça quand même. Mince. Faut juste que je me rappelle à peu près qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc là par exemple le quartz raffiné, il faut que je le mette ici. Il pleut aujourd'hui, donc ça va être bien, on ne va pas avoir à s'occuper de grand chose. On a des géodes, je vais les ranger, je vais pas encore aller les ouvrir pour l'instant. Le Tiger Trout qu'on avait pêché, faut juste que je me rappelle, est-ce qu'on en avait besoin pour un bundle de poissons ou pas? C'est toujours le problème. Oui, on en avait besoin pour les poissons de rivière. Donc je vais le mettre de côté. C'est vrai que t'as assez d'argent pour acheter pas mal de trucs. Oui. Je vais pouvoir m'acheter des trucs. On va pas agrandir notre maison tout de suite, mais j'aimerais bien acheter des poules. Et acheter peut-être une grange pour y mettre des vaches. Ça pourrait être chouette. Les poissons, ça va dans le coffre avec tout ce qui vient de la mer, qui logiquement est orange. Hein. La logique aurait voulu qu'on le mette bleu, mais fuck la logique. Fuck la logique. Le sirop de pain, la sève de pain va ici. Ça, on va les mettre là. Ce sera à donner au musée. On garde quand même une fleur sur nous pour offrir à Léa si jamais on la croise. Penny, on avait déjà fait les deux cadeaux de la semaine. On lui avait offert un diamant, a priori, il s'en est un peu battu les couilles. Tristesse. On va pouvoir récolter quelques trucs. On a du maïs ici, on a des cranberries ici de mémoire. On a du raisin, encore une fois. Beaucoup de récoltes. Du coup, encore beaucoup d'argent qu'on va se faire. C'est pas pour nous déplaire. Qu'est-ce qu'on a, Ah oui, on est mercredi, donc on va pas pouvoir aller s'acheter de nouvelles graines. À vrai dire, il n'y a pas forcément beaucoup de graines à s'acheter, sachant qu'on est vraiment proche de la fin de la saison. Je vais aller voir dans la petite grotte ici si on n'a pas récupéré des choses. Ah, déjà, on a du sirop. Ah bah oui, regardez. Moult fruits. Ah, la pomme, on va pouvoir se la mettre de côté. Il y en a besoin dans les bundles. Pense à acheter des chauffages avant l'hiver pour tes bêtes, au fait. Quoi? Faut acheter du chauffage pour les bêtes? C'est quoi cette connerie? On m'a jamais dit ça, moi. C'est vrai qu'il faut acheter du chauffage pour les bêtes? Mais c'est quoi? Alors, regardons. On a deux œufs. Magnifique. On va caresser nos poules. Voilà, Linarco et Corsam. Ah, regardez, on a un cœur et demi. Donc, on progresse. Du coup, elle coûte encore plus cher. Hein. Toujours. Un truc qui coûte 2000 chez Marny, sérieusement? Eh ben, écoutez... ah non, on peut pas encore y aller parce que je suppose que son magasin ouvre à 9h. Mais dès qu'on pourra, on ira voir Marny. On va voir ce qu'on va pouvoir lui acheter. Je sais pas comment ça se passe si t'en mets pas. D'accord. Ok. Intéressant. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Ah bah voilà. On récolte nos crap pots et on va pouvoir les remplir avec de l'appât. Que j'avais bien évidemment préparé. Comme quoi, on dirait pas comme ça, mais je suis un minimum organisé. En attendant, plutôt que de ne rien faire, on va couper du bois parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup. D'autant plus que si on veut construire une grange, ça va nous demander beaucoup de bois. Voilà. Grosso modo, ce qu'il y avait à raconter. Va falloir aussi qu'on améliore notre hache qui est complètement nulle. Si jamais on veut récupérer du hardwood un jour. Un minimum organisé, c'est le terme. Bon, ça va. Hein. C'est juste ce qu'il faut pour pas que ce soit honteux. Et que vous vous moquiez de moi, je pense. Je crois qu'on en est à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, 9h30, on peut continuer de casser encore les quelques arbres qu'on a ici.
Et donc on va aller voir Marnie, on va lui acheter deux nouvelles poules que l'on va acheter, que l'on va appeler, je sais pas encore comment. Comment on pourrait les appeler? On a Linarco et Linarco et Corsam. Ce serait logique de mettre Playmobix. Ce serait logique de mettre Playmobix avec. Et la dernière, je sais pas encore. Écoutez, si vous avez des idées, disez-le moi. Disez-les moi, pardon, si vous en avez plusieurs. Parlons quand même en bon français. J'avais pas une pioche? Non, je l'avais rangée. Bon bah tant pis, cet arbre-là sera protégé. Ah bah non, on peut passer par l'autre côté. Faisons le tour. Genre, avec ça, je casse tout ça et paf. Comme ça, on met du hay dans les machins, dans le silo. Moi, je dis Team Modo. Ah bah oui. Ah mais du coup, attends. Mais Playmobix n'est pas Modo. Mais en même temps, c'est logique de le mettre. Et bah du coup, ce sera Six Dogs. Voilà, c'est comme ça. Donc on aura une poule qui s'appelle Six Chiens. Ce qui est parfaitement logique, hein. Ça fait sens. Si vous réfléchissez un peu, ça fait sens. Ah, j'ai une notification sur Twitter. Regardons ça directement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est Keft qui a liké le message. Eh bien écoute, bienvenue à toi Keft si tu es là. Peut-être que je t'ai spoté alors que tu n'étais même pas arrivé. Ouais d'accord, tu as l'air content. On va casser les petits morceaux comme ça parce que ça prend de la place et ça sert vraiment à rien. Il y en a en plein milieu qu'on va pas pouvoir avoir parce que j'ai pas ma pioche. Et on va aller voir Marnie enfin, alors qu'il est déjà presque midi. Les journées passent vite quand même à la ferme. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Oh Penny! On avait prévu de faire un pique-nique? Ah, j'ai oublié ça. Oh, Pascal Olmeta! C'est parfait moment pour que tu te montres. Donc un pique-nique sous la pluie. Ne cherchez pas. Ah mais non, mais faire un pique-nique avec les enfants, voilà. J'ai amené les enfants à un petit voyage à la campagne. Un petit voyage à la campagne. Ah oui, tu connais tout la vie à la campagne, hein? Pecno. Ce sourire là, il veut dire ça, je pense. Hein. Donc je me demandais, est-ce que tu pourrais être mon invité qui présente des choses? Ah non, on va faire une conférence TEDx à des gamins de 5 ans. Non, je peux pas supporter les enfants. Bah oui, bien sûr, on va dire qu'on a très envie. Très bien. Laisse-moi juste appeler les enfants. Eh oh, les enfants! Connard! Jazz, Vincent, est-ce que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît? D'accord. J'ai un invité très spécial ici pour parler aujourd'hui. J'ai un invité très spécial pour vous parler aujourd'hui. C'est le fermier très connu qui a gagné la fameuse première saison de la ferme célébrité. Je suis sûr que vous l'avez vu à la télé. C'est Pascal Olmeta. Ah, il a une expérience de première main de vie à la campagne. Et donc du coup, il sait tout des ressources naturelles de la vallée. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est une ressource naturelle? D'accord. Oh là là, les lèches-culs. Jas. Une ressource naturelle, c'est une source matérielle de richesse. Oui, qui se produit dans la nature et qui a une valeur économique. D'accord. Très bien. Et ça te vaut 2 points d'étoile, Jas. Ah, c'est les mêmes points étoiles qu'à la fête du village. Oui. Et coucou, Kawaii Kitten Knight, ça fait longtemps. Très bien. Maintenant, donnons toute notre attention à Pascal Olmeta. Alors attention. Avec notre chapeau magnifique. Alors, la vie à la ferme, c'est enfin la vie à la campagne, c'est tout à propos de la ferme. La vie à la campagne, c'est tout ce qui est. Ah oui, d'accord. Donc soit c'est la culture, soit c'est récolter ce qui se passe dans la nature. On va dire que c'est récolter ce qu'il y a dans la nature. Ah oui, on fait vraiment une conférence TEDx en fait. La vallée est remplie de minerais précieux. L'eau autour d'ici est remplie de fraîche nourriture de la mer. You'll find no better... vous ne trouverez pas meilleur bois que celui du sud de Grumpleton. On va dire que y a plein de minerais précieux. Tu es bien à droite sur la webcam pour qu'on voit le bordel derrière. C'est ça, c'est le cadrage bizarre. Mais ce qu'il y a, c'est que le cap de ma webcam est très court et donc du coup je peux pas le placer comme je veux. Bon, sinon faudrait que... Ouais, je peux me décaler ici, mais ça m'emmerde un peu en fait. Ouais, ça centre un peu plus. Bon, ça va, ça reste pas méchant. Ouais, comme ça je suis un peu plus centré, mais vous voyez quand même le bordel. Ouais, donc il y a plein de minerais précieux. Et voilà. Oui, Vincent.
Fermier Pascal Olmeta, est-ce que c'est vrai que des gobelins vivent au plus profond des caves et qu'ils aiment kidnapper les petites filles pour leur dîner? C'est pas pour leur dîner. Vincent, tu fais peur à Jas, ne parlons pas des monstres. Et puis non, attends, on se marre comme un connard. Ah, par contre, Penny, elle a pas l'air contente. Ouais, je crois que la remarque, c'est pas pour leur dîner, je suis pas sûr que ça lui a plu. Bien, c'est probablement assez pour aujourd'hui. Allez jouer tous les deux et voilà. Et laissez-moi de tranquille avec mon cum. Enfin, avec mon cum, avec mon homme, hein, pas. Enfin, je vais pas parler en anglais, bref. Ah là là, ça prend beaucoup de travail de s'occuper de ces gamins. Mais je m'en fiche un peu, j'aime bien les voir apprendre. Et heureusement, je peux les aider à grandir et devenir des bonnes personnes. Am I a good man? Oh putain, attention! Alors ça y est, on est en couple depuis 2 jours. Voilà, on a mis 3 saisons complètes à la draguer, à lui faire des cadeaux, à lui parler, à s'occuper d'elle. Voilà, on a réussi à lui offrir le bouquet de fleurs qui nous a permis d'être en couple tous les deux. Et 2 jours plus tard, ah, est-ce que t'aimerais bien devenir papa, Pascal Olmeta? Alors, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Absolument, je veux une grande famille. J'imagine c'est un besoin naturel. Non, je pense pas être bon à ça. Non, le monde est déjà bien assez peuplé. Non, j'ai pas envie de me faire chier avec une famille. On va dire, oui, je veux une grande famille. Moi aussi, je suis contente que tu penses la même chose. Et c'est ainsi que nous allons baiser sur cette nappe pendant que les gamins sont en train de se draguer au bord de la rivière. Allez, la caméra se dirige vers l'extérieur, comme ça on voit pas ce qui se passe. Bien, je suis content que tu sois venu, Pascal Olmeta. Je pense que les gamins ont passé un bon moment. Ah d'accord, et fin du game. Est-ce qu'on a baisé ou pas? Suspense, on ne le saura peut-être bien jamais. Donc notre objectif quand même, c'était d'aller s'acheter des trucs. Notre inventaire est plein. Je suppose qu'on va pas pouvoir prendre grand-chose. Ah bah voilà, il y a des gens. Essuyez-vous les pieds. Ah bah d'accord, je vais offrir une mûre, il est content. Je suis ici, ouais, il veut s'occuper de Marnie, machin, ok. D'accord. Salut Marnie. Alors attention, achetons des animaux. Donc les poulets, ah c'est 800 gold, ah bah c'est bon, regardez. On s'achète des poulets. Que l'on va mettre dans notre coop. S'il te plaît, merci. Juste ici. On va l'appeler donc Playmobix. Voilà. Magique. Il veut s'en occuper. c'est ça. Il veut s'occuper. Enfin, il veut voir si Marnie n'a pas de problème dans son échoppe. Ah, j'ai perdu également. Bah oui, évidemment. Très bien, j'ai envoyé le petit Playmobix à sa nouvelle maison immédiatement. Et on va s'acheter encore une nouvelle poule. Que l'on appellera cette fois Six Dogs. Et voilà! Les modos sont des poules. Ok, donc ensuite, magasin. Ah oui, on peut acheter du chauffage du coup, ouais, ça coûte 2000 balles. Ah, ça pour récupérer la laine des moutons, pour traire le lait. Ah, intéressant. On va en acheter un du coup. Après tout, on a des thunes, donc autant les dépenser. Et du coup, voilà. Donc si on veut avoir une grange, maintenant, il va falloir aller voir... machine. Comment s'appelle-t-elle? Je pourrais être une chèvre un jour. Ah bah il y a moyen, si jamais on en a. Si jamais on réussit à en avoir un jour. Je retiens ta demande, bien évidemment. Et oui du coup... mince, il va nous falloir du bois si on veut une grange. On va foutre ça ici. Un petit chauffage, et voilà! Regardez Six Dos comme il est mignon. Et Playmobix. Voilà. C'est nos poules. On est content avec eux. Prochain objectif, les chèvres. Bah non, en vrai, les vaches, ce serait pas mal. Hein. En vrai, les vaches, ce serait vraiment, vraiment sympathique. On va mettre des trucs en vente, bien évidemment. Le raisin, on va garder celui de meilleure qualité. Ça, on s'en fiche. La pomme, je la garde de côté. Euh,
Voilà. Voilà. J'ai lancé une pétition. On va faire un straw poll pour savoir quel sera le prochain animal que l'on élèvera. Mince. On va mettre ça dans la machine à mayonnaise. Oui, c'est ça, c'est la mayonnaise machine. On a des gros œufs ici. Ah oui, mais eux, ils iront dans les bundles. Ensuite, les trucs qui viennent de la mer. On a ça. Ah bah, celui, je vais le faire process là-dedans. Hop. Comme ça, on aura sûrement un truc cool derrière. là-dedans, on va mettre le raisin. Et ça. Ah voilà, le bon, on en a quand même pas mal. On en a pas mal. C'est encore pas assez, hein, bien évidemment. Mais on progresse. On progresse. Voilà, je crois qu'on est bien. Ah non, plutôt que de me faire des trucs. Ah non, je vais me faire des omelettes, mais non, c'est vrai que c'est pas très rentable niveau nourriture. Après, du coup, on n'a pas vraiment de trucs pour se régénérer. Ah, quoi que si, on a des gâteaux, je crois. Ah, Mercurochrome, le pansement des héros. Et voilà, ça y est, ils vont devenir insupportables, les gens sur le chat, maintenant, avec cette commande. Go acheter une étame, non. Je sais pas si j'ai assez. Je sais pas si j'ai assez de bois. Niveau pierre, je pense que c'est bon. Bon, on va prendre ça sur nous, on va vérifier. Et je vais quand même prendre ma pioche. Histoire d'aller dans la mine. Si jamais on a besoin. Les fameuses les omelettes Olmeta, putain. Pascal Omeletta. C'est ça. Ouais, toujours que 8 heures avec Penny. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, mettre ma pioche au bon endroit. À savoir ici. Alors. Allons voir Robin. Allons voir. Après aussi, il faut être sûr qu'on ait assez d'argent. Évidemment. On va aller voir Robin. On va voir. Ah bah. On peut aussi récupérer des trucs sur le chemin. On va voir aussi si on n'a pas une quête à récupérer sur le tableau d'affichage. Ah bah oui, regardez. Ah bah j'ai besoin d'une hazelnut pierre. Ah bah voilà, parfait. On vient d'en récupérer une. Ah mais pierre, du coup, il est fermé, donc... Ah mais il est fermé, donc comment on fait? Niveau argent, t'es large, d'accord. Mais je me rends pas compte, en fait. Sa maison, elle est là, mais s'il est fermé, comment on fait pour le trouver? Il va peut-être traîner au bar ce soir. On verra. Centre communautaire, on s'en fiche. On s'en fiche pour l'instant. Ah, je commence à avoir le nez bouché, ça m'énerve, pour changer. On veut construire des bâtiments de la ferme. 350 bois, ah bah oui, on a tout ce qu'il faut. On pourrait construire un puits, mais bien évidemment, c'est pas intéressant. On a toujours pas de... Faudrait que je me fasse un métier à tisser un jour, hein. Comme par hasard. Penny veut bien copuler avec toi, pile quand tu as beaucoup d'argent, putain. Ah mais on lui a offert un diamant, elle s'en fiche, donc je sais pas. Ah oui, ça c'est sur vous un cheval. Ah oui, mais il faut 100 de hardwood. Donc c'est pas pour tout de suite. Le slime. Ah, et le slime Starsky Hutch. Il nous manque juste la barre d'iridium. C'est pas encore pour tout de suite, mais bon. Big Co-op. On a pas assez de bois, ouais. Ah, mais du coup, ouais, ça permettrait d'avoir des canards. Putain, ce serait bien. Tu veux pas plutôt être un canard, Kawakita Knight? Et du coup, on fait une grange. On construit. Où est-ce qu'on va la mettre? Ah, tiens. Est-ce qu'on peut la mettre là? Pas du tout. En même temps, on a tellement de bordel que pour trouver une place où on peut l'installer, ça va être compliqué. Hein. On va la mettre ici. Ah bah non, là. Ah non, si on la met là, on peut pas. On peut la mettre là, mais si on la met là, on peut pas rentrer. Ce qui est problématique. Je pense. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est problématique. Non, c'est moi le canard. Et si je la mets là, je peux pas rentrer. Putain, je préfère un chat, mais bon. Mais oui, mais on est team chien ici. Alors le truc, c'est où est-ce que je la place? Parce que là, il y a des trucs qui bloquent, hein, donc évidemment, je peux pas la poser. Ici, je peux même pas la mettre. Putain, mais sinon, on va pas la mettre aussi loin. Ça aurait aucun sens. Ah, mais je pourrais la foutre ici, mais faut que j'aille déblayer. Dans tous les cas, faut que j'aille déblayer. Donc on va rentrer chez nous, on pourra probablement pas la faire aujourd'hui. Mais on va aller déblayer un petit peu de notre côté, récupérer quelques ressources. Pierre, il habite pas ici. Hein. C'est vrai qu'on oublie les détails. Bah oui. C'est vrai que chez moi, c'est un peu le bordel. Un tout petit peu. Hein. Au cas où vous ne l'ayez pas remarqué.
C'est le bordel. Donc, allons déblayer. On va se préparer du coup pour avoir des vaches. Oui, des vaches. Ou des chèvres. On verra ça. Ou sinon, on peut faire deux vaches, deux chèvres, hein, c'est aussi possible. C'est par où qu'on rentre? C'est par là? Je sais plus, ça y est, je suis paumé. Oui, par ici. Ah non, ça c'est pas le vrai chemin, tant pis. Ça marche quand même. Enfin, c'est pas le chemin le plus rapide, mais ça marche quand même. Ah, vous allez pas m'embêter pour ça. On a des choses par là? Ah bah oui, regardez. Hop. Wild plum. Ça fait toujours de l'argent en plus. Alors regardez. Ce que l'on va faire va être merveilleux. On va casser tout ça. Ah mais les souches, je peux pas les casser avec ma hache nulle. Ah quoi que, on l'a quand même amélioré une fois la hache, hein, donc il y a peut-être moyen de pouvoir casser ces souches nulles. Eh oui, regardez, magnifique. Ah mais putain, ça nous donne du hardwood ça en plus. Ah bah on va compléter un bundle en plus. J'ai dit deux fois en plus dans la même phrase, c'est magique en plus. On va casser tout ça. Ah regardez, on va se faire une place de malade. Ça va être trop bien. Une place de malade, ça veut dire que tu vas faire un hôpital? Je comprends pas, c'est un jeu de gestion de ferme ou... Je comprends plus rien. Ouais, je pensais que le hardwood c'était que les espèces de grosses souches qu'on pouvait pas encore casser tout de suite. Ah du coup c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Mince, faut changer. Hop. On remplit un peu le silo. De toute façon, je pense qu'on est encore large. On a de la place. On a le silo encore bien rempli. J'imagine qu'il y a beaucoup, qu'il va beaucoup se vider pendant l'hiver. On a combien? Ouais, 134 sur 240, c'est largement plus qu'il n'en faut. Hop, comme ça, bon, on le remplit encore plus, hein, histoire de... ces cailloux-là, je peux les casser ou pas? Pas encore. Donc ça, faut encore que j'améliore ma pioche. C'est quoi ça avec du fer? Bon, ça va, maintenant du fer, on récupère même de l'or. Ah, quoi que, attends, elle est déjà en fer ou... Elle est où ma pioche? Non, elle est pas encore en fer, justement. Elle est pas encore en fer, mais le seul truc que j'ai en fer, c'est mon arrosoir. Il n'y a que mon arrosoir en fait qui est en fer. Encore du travail au niveau de l'amélioration, mais ça coûte des sous. Oh là là, besoin de... Comme je dis à chaque fois, il y a besoin de beaucoup trop d'argent dans ce jeu. On dit que je suis riche, mais bon, c'est pas encore fou. Hein. C'est pas encore fou. Alors tout ça, on casse. Comme ça, voilà, on est sûr d'avoir vraiment beaucoup de place. Oh, des grenouilles. Mourez, on casse votre habitat naturel. Moi j'aurais été un mercurochrome, j'étais fier. Ah bah bravo! Espèce de... Bah t'es pas un bot en fait? Un Six Dog n'est pas un bot. Ça c'est... Non c'est pas bon à récolter. Ah non c'est les... C'est les aubergines, c'est pas comme ça qu'on les récolte. Alors on va passer au centre communautaire. Ah donc le driftwood m'a donné un wood normal. C'est pas, pas fantastique. Hein. Ah non, l'autre œuf, je l'ai rangé. Ah, deux wood, d'accord, quand même. Donc, une brindille nous a donné deux morceaux de bois. Logique, on va prendre du trash. Qu'est-ce que je dis que je voulais? Je sais même plus. Oh là là! Bonsoir, Juzushin qui ramène ses 7 potes. Bienvenue à vous tous. Merci pour le raid. Écoute, je ne te connais pas, mais bienvenue. Je sais pas comment tu as trouvé la chaîne. Mais en tout cas, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Solinder, on joue à Stardew Valley, un jeu de gestion de ferme si vous ne connaissez pas, et si vous avez des questions je peux vous y répondre. Et on joue Pascal Olmeta, le vainqueur de la ferme célébrité, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça la ferme célébrité. On a un peu avancé dans notre partie, on est en fin de première année. Encore une fois, si jamais vous ne connaissez pas, ça va peut-être pas vous avancer. Mais si vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas. Alors là, donc ce qu'on essayait de faire, c'était... Alors c'est bientôt la nuit, hein, bien évidemment. On va essayer de compléter nos bundles, donc si ce sont des collections.
Bonjour, le streaming du Stardew, juste avant, donc un petit raid dans la continuité. Ah bah d'accord, donc du coup tous ceux qui regardent connaissent déjà le jeu, donc c'est parfait. J'ai même pas besoin d'expliquer, super. Et du coup t'en es où toi dans ta partie? Mais c'est vrai qu'en fait, il me semble pas qu'on soit beaucoup à jouer à Stardew Valley, hein, Enfin, en France du moins, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens. À l'étranger, je sais pas. Sympa. Oui, très très sympa de ta part. Et puis du coup, de la part des gens que tu as ramenés, de rester peut-être. On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils vont être saoulés par les jeux de mots nuls que je fais? On découvrira plus tard. Alors là, c'est toujours les moments où je traîne dans mon inventaire, où je ne sais plus ce qu'il me faut. Alors en fait, là, la tentation, ça va être de remplir le bundle dans lequel il y a besoin de bois. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je coupe encore plus de bois pour pouvoir faire ma grange. Donc on va jouer safe, on va pas remplir le bundle tout de suite. On va juste passer au bar pour voir si on... Ah, j'ai juste le trash à mettre là. Ah oui, je voulais récupérer mon œuf aussi. Je vais y arriver, je vais y arriver. Récupérer mon œuf pour faire de la mayonnaise, évidemment. Deuxième année était pas très loin donc... Ah bah écoute, là on va bientôt arriver à l'hiver de la fin de la première année. C'est pas la moitié. De quoi la moitié? Je sais pas de quoi tu parles. Oui, une petite communauté, mais il y a quand même des gens... Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. En plus, vous allez voir, en hiver, on va se déguiser, on va mettre un bonnet, on va mettre une écharpe, un bonnet ours, une écharpe colorée de 4 mètres de long, ça va être génial. Les viewers font les timides et ne parlent pas, je peux les juger. Seul toi peux les juger, évidemment. Moi, je me permettrai pas. Pour l'instant, un peu plus tard peut-être, on verra. Ah, mais c'est Pierre? Non. Ah non, c'est Harvey, pardon. Je les confonds encore. Non, on veut Pierre parce qu'il faut qu'on lui donne une noisette. Mais bon, je comprends qu'ils puissent être timides. Ou alors peut-être qu'ils se sont cassés, hein, qu'ils aiment pas ça. Ah, Léa, voilà. Tiens, on va te donner une fleur. Ah voilà, c'est un très beau cadeau. C'est bien de vivre à côté de la rivière. Ok, d'accord. Ah, toi, on a chopé ta fille, ça te pose un problème? Non, elle s'en tape. Oui, donc du coup, on est... ah voilà, 12... Oh là là, 12 personnes. Putain, là, très très bien. Et du coup... Ah oui, et puis du coup, voilà que je vous explique. Demain, on joue pas que à Stardew Valley. Demain soir, on va jouer à un jeu Amtaro sur Game Boy Advance. Donc ça va être vraiment chouette. J'ai pas plus d'arguments pour vous expliquer que c'est bien. Je pense pas qu'on ait vu Pierre, hein, donc on l'a pas croisé. On va aller au centre communautaire. Ah mais non, en fait, fou, d'accord. Non, j'ai pas besoin d'aller au centre communautaire. J'ai dit que le bundle, c'était pas tout de suite. Donc on va aller dormir avant qu'il ne soit minuit pour que l'on puisse bien se reposer. Donc ouais, demain on joue à machin. Battou le dragon, moi je t'ai suivi, mais j'étais en train de faire à manger, du coup je serai un peu... Ah d'accord, bah écoute, bon appétit à toi. Et puis merci d'avoir suivi. D'avoir suivi le raid. Pas d'avoir suivi la chaîne. Mais peut-être que ça ne tardera pas. Comment ça, c'est pas très discret ce que je fais. Mais en tout cas, bienvenue à toi Battou. Non, c'est... Je connaissais un mec qui s'appelait Baltou, mais non, ce n'est pas toi. Pourtant ça ressemble un peu, hein, il manque juste un L. D'ailleurs, attends, tu t'appelles Batou le Dragon, et dans les personnes qui viennent de temps en temps, on a un Azur, le The Dragon, donc beaucoup de dragons qui me suivent quand même. Hein. Je suis quand même plutôt pas mal dans le milieu des sauriens. Gros clin d'œil, peut-être que c'est un tartarap. Non, comment ça... quel clin d'œil? Je vois pas de quoi tu veux parler. C'était très discret. Allez. On avance vraiment bientôt le début de l'hiver. Ah oui, il va falloir tout arroser. Ça va être la partie très intéressante au vu du nombre de champs qu'on a. Je suis sûr que vous êtes venu pour ça, vous avez envie. C'est une heure de Father of the Black. Ouais, c'est ça. Non, Pascal Olmeta. Et salut KLM3, comment ça va depuis tout à l'heure? Je vais pas manger mon maïs. Non, bah du coup si, en fait j'ai mangé mon maïs. J'avais très envie de le manger, mais je voulais pas le dire. Non, là on en a... Encore ici. Tant que chevalier, je te sauverai des dragons. Mais non, ils sont gentils. Enfin, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ils vont m'attaquer. On ne sait pas. Donc du coup, je suis sûr que c'est pour ça que vous êtes venus. Vous avez vraiment envie de voir des... Ah bah voilà. Oh là, je vous souhaite de follow la chaîne. C'est Olmeta a une place à part. Mi-acteur, mi-clown. Ce gardien est unique. Et bah voilà. C'est ça, c'est Pascal Olmeta. Chevalier sans épée. Merci à toi d'avoir follow la chaîne, Juzushin, en fait je sais pas comment ça se prononce. Mais bienvenue à toi et... Enfin pas bienvenue à toi, je t'ai déjà dit bienvenue. Mais merci d'avoir suivi la chaîne, très sympa de ta part. Le chauffage, on a besoin de l'allumer ou il se débrouille tout seul? Il se débrouille tout seul.
Donc oui, voilà, Pascal Olmeta, notre grande idole du stream. C'est pas mal la prononciation, d'accord. D'accord, d'accord. Je vais réussir à trouver mon outil. Donc voilà, maintenant, l'arrosage, la partie la plus passionnante. Mince, je me rassure, tu ne l'écorches pas comparé à ce que j'entends. Ah ouais, à ce point-là? Moi, globalement, ça va. Les gens disent bien Solinder. Quelques Solindé ou Solinder, mais c'est pour rigoler. Mais moi, au tout début que j'avais ce pseudo, je disais Solinder. Et un jour, quelqu'un a dit Solinder et je me dis... Hey, c'est mieux en fait. Et du coup, depuis, je dis Solinder. Mais ça, c'était il y a très très longtemps. Donc voilà, je disais l'arrosage. C'est parti. C'est le succès caché de Star du Valais, The Soul is Alive. C'est ça. Ah oui, et aussi donc... Solindé. Non, ça je l'ai... Solindé, ouais. Non, pas Solindé. Non, mais Solinder, c'est bien parce que du coup, on peut faire le jeu de mots Solinder d'aller se coucher. Enfin, pas encore tout de suite, mais voilà. Ah oui, donc des jeux de mots de qualité, bien évidemment. Bon, ça va, normalement, c'est quand même un peu mieux que ça. Comme ça, au moins, à partir de celui-là, je ne pourrais qu'augmenter le niveau. Et donc, il y a Way Nightbot qui a annoncé un petit peu le planning qu'il y avait. Le mercredi, on joue à des roguelikes. Donc, en l'occurrence, en ce moment, on joue à Darkest Dungeon, qui est très très bien. Et sinon, en ce moment, on joue quand même un petit peu à Into the Breach. Parce que bah, c'est la hype et le jeu est vraiment très très bien. Et on veut, enfin on veut, je veux essayer de faire le compléter à 100%. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un truc. On a un truc qui s'appelle du speedrun. Oui, j'ai commencé à faire du speedrun en NI% sur Tesla Grad. Et donc il y a aussi des streams de speedrun de temps en temps qui sont pas annoncés. Comme ça s'écrit, oui. Ça se prononce, oui c'est ça se prononce comme ça s'écrit, Solinder. Oh là, salut Mystique, comment ça va? Ça fait longtemps. Du coup, internet de mort, je viens d'en avoir une nouvelle, du coup je peux enfin reposter des messages. D'accord, d'accord. Et ben en espérant qu'elle survive. Et du coup, heureux, Mystique, ça fait quelques temps. Et si elle est plus stable, du coup, c'est. A priori, ce sera quand même plus agréable. T'arrives au meilleur moment, c'est le moment où nous arrosons nos plantations. Mais ça, ce sera bientôt une époque révolue parce que. Pendant l'hiver, je vais récolter toutes les ressources nécessaires pour me faire des sprinklers. Prononciation complètement nulle. Pas du tout. Pas par là. Qui nous permettront donc d'arroser automatiquement nos plantations. Et c'est ce dont on a envie. Être bien tranquille. Ne pas avoir à se fatiguer. En arrosant nos plantations. Qu'on se lève le matin, que ce soit déjà fait. Et qu'on puisse vaquer à nos occupations. Notamment aller pêcher du poisson, ce qu'on aime beaucoup. De quoi? Waouh! Bah voilà, bon, ça n'a pas été si long que ça. L'arrosage au calme. Eh ben oui, oui, oui! Oui, oui, oui. Le meilleur truc pour se détendre, hein, l'arrosage. Si vous avez un champ à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller l'arroser. De toute façon, c'est pas un truc pour lequel tu peux te faire engueuler, ça, je pense. Genre, t'as une parcelle de terre à côté de chez toi ou t'as un parc. Si t'as un arrosoir qui est rempli d'eau et que tu l'emmènes jusqu'au parc, on peut pas t'engueuler parce que t'arroses le parc. Enfin, je pense pas qu'on puisse t'engueuler pour ça. Donc du coup, si jamais vous avez envie, bah, n'hésitez pas à le faire. Ça, je vais les vendre, ça, je vais les vendre, tout ça, je vends, ça, je vais le recycler, ça, je vends. Bah oui, c'est parfait. Et du coup, on va aller lancer la construction de notre... comment ça s'appelle? De notre grange, maintenant. Qu'on a libéré tout l'espace. Ça, en vend, je disais. Et la mayonnaise. Hop. Voilà, parfait. On est parti. On vérifie toujours par là, hein, s'il n'y a pas des petits trucs à récolter. Il n'y a que dalle. Ok. Donc oui, hein, je suis pas encore très très avancé, hein, pour ceux qui arrivent. Tant qu'il n'y a personne entre l'arrosoir et la pelouse, effectivement, je pense pas. Oui, c'est une bonne solution. Si tu mets de l'antiherbe dans ton arrosoir, on peut t'en... Ah oui, oui, oui. C'est vrai que tu peux camoufler, ouais, du désherbant, des produits nocifs, ou même de l'acide sulfurique, hein, par exemple. Mais après, c'est pas très bon pour l'environnement, je crois. Hop, voilà, donnons-lui sa noisette. Ok. Le journal a été mis à jour. Hey, salut Rachel. Salut ma poète. Comment ça va? Ça fait un petit moment. J'avais un petit coup de bêche à mettre au début du chemin. T'avais un petit coup de... Ah bon? Comment ça, un petit coup de bêche à mettre au début du chemin?
Bah écoute, on va repasser tout à l'heure, je verrai. Après, il y a des trucs que je connais pas encore, hein, donc ça peut jouer aussi. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie d'acheter? Un arbre. Non, peut-être pas encore. Parce que de toute façon, ça a planté quand? Ah, ça met 28 jours à maturer et ça a produit des fruits seulement au printemps. Ah, mais ça pourrait être intéressant d'en acheter maintenant. Genre... un pommier. Tu connais les petites herbes qui bougent? Pas du tout, je connais pas. Je vais mettre... ben moi ça va parfaitement bien. Acheter des arbres pour le printemps. T'as vu? J'y ai pensé. On va acheter ça. On va acheter un abricotier. Un cerisier. En vrai on peut tout acheter. Hein. Enfin je vais quand même aller voir ce que... ouais non je vais pas pouvoir tout acheter. Je vais quand même aller voir... enfin aller lancer ma grange tout de suite hein, histoire de... histoire d'être sûr de l'avoir. Hein. Ce serait quand même dommage. On va aller planter tout ça. Fait longtemps que tu peux arroser 5 plantes d'un coup parce que tu as amélioré ton arrosoir. En fait, il suffit de rester appuyé sur le bouton et c'est un truc que je connaissais pas. Et qu'on m'a dit un jour et en fait, bah, c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais pas les pommes, c'est pour l'automne. Merde, j'avais pas lu mon despoté. Ah oui, seul... merde. Printemps, printemps, été. Bon, ça va, c'est pas encore complètement débile. Mais oui, j'avais pas lu. Je pensais que c'était tout pour l'été, pour tout pour le printemps. Il donne tout pour le printemps. Où est-ce que je vais? Oui, par là. Enfin, des herbes, des asticots, j'en sais trop rien. Non, mais du coup, les petits trucs, je connaissais pas. Donc, il y a un coup de bêche à donner à ces endroits-là. Ok, je sais, je connaissais pas. Faut faire attention de pas les offrir en cadeau, je pense, les arbres. Parce qu'il y a moyen que ça arrive et on n'a pas vraiment envie que ça se passe. T'as pris les deux du printemps, c'est bon. Ah, il y en a que deux au printemps, d'accord. De sur 4, bon ratio de victoire au pif. Mais c'est bon. Toujours la chance. C'est ça qui est le plus important. 6000 pièces d'or. Oh, ok, on a tout juste assez. On s'achète notre grange. On va la placer. Où est-ce que j'ai envie de la mettre? N'hésitez pas à vomir. Oh, on a du miel. Trop bien. On a du miel. J'aurais bien voulu la mettre là. J'aurais dû déblayer par ici. Putain, le seul brin d'herbe là qui fait chier en plein milieu. On va la mettre là. Putain, mais il y a la poule. Putain, mais la poule elle nous empêche de... Pourquoi la poule elle nous empêche de construire? Bon, on va mettre ça là du coup. Allez, et voilà, parfait. Le chantier est lancé. On a plus de thunes. On a des trucs à t'acheter toi ou pas? Enfin des trucs intéressants. Ah, des recettes. Ouais non mais rien d'intéressant pour l'instant. Ok. Deux par saison normalement. D'accord, d'accord. Bon ça va, on a les deux du printemps, c'est bon. C'est déjà un début. Il me reste combien de bois? 52, ok. On va récolter ce qu'on a besoin comme bois pour le bundle. Ah non, quoique, on n'aura jamais ce qui... Je vais réussir à mettre les mots dans le bon ordre, hein, promis. On n'aura jamais ce qu'il nous faut pour le bundle. Il nous faut deux stacks de 99, donc... il nous en faut donc 198. Et oui, je sais faire des maths. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous appréciez le stream, à aller voir, aller parler à un ou une de vos potes. Que vous connaissez par Skype, par Mumble, s'il y a des gens qui sont encore sur Mumble, sur MSN, sur Lycos, sur Discord, sur Facebook. N'hésitez pas à aller partager le live à une personne que vous connaissez, par exemple, parce que si chacun d'entre vous fait ça, enfin si vous faites tout ça, et ben on sera deux fois plus nombreux, enfin que les gens viennent, on sera deux fois plus nombreux. Et donc du coup, oui, on fait des maths, on apprend à compter tous ensemble, et ça c'est chouette. Alors on va aller planter nos arbres, est-ce que j'ai intérêt à faire ça maintenant? Non, on va aller, on va récupérer notre récompense. 270 pièces d'or, magnifique. On va aller se promener un petit peu. On va aller se promener un petit peu. On va aller dans les grottes. On va aller dans les grottes, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les grottes? J'ai envie d'avancer, évidemment. J'ai envie d'avancer, on n'est pas encore tout au fond. Ah mais après on n'a pas beaucoup d'énergie. Bon, on va pas forcément pouvoir y faire grand chose, mais on va peut-être avancer. Bah du coup je vais peut-être pas aller au plus profond de là où on en est. C'était pas français. Mettez les mots dans le bon ordre hein, si jamais vous comprenez pas ce que je raconte. Du coup vous devriez mieux comprendre si jamais vous mettez les mots dans le bon ordre. On va juste descendre un petit peu, histoire de récupérer... Non, je vais pas récupérer du cuivre en fait, je vais essayer de récupérer du fer. Et le fer de mémoire, c'est à partir du niveau 40. Putain,
C'est vraiment ça en plus, je crois. Ah bon, oh là là, putain, ce génie. Bon, enfin, peut-être pas à partir de ce niveau-là exactement, mais en tout cas, à ce niveau-là, il y en a. Oui, du fer, on en aura besoin du coup pour les sprinklers. Pour les sprinklers de qualité. Enfin, il n'y a pas besoin que de ça, mais en partie. Puis en même temps, si on peut tuer quelques monstres au passage, c'est chouette. Ah bah, il y a du quartz aussi ici. Donc, ça va nous permettre de... d'avoir tout ce dont on a besoin. Attends, mais toujours plus d'échelle. Tout ce dont on a besoin pour... pour faire des sprinklers. C'est ça que je voulais dire. Frozen Geode, va falloir qu'on aille ouvrir tout ça un jour. On va se faire un pack opening à la David Lafarge. D'ailleurs, il a été invité à une émission de télé il y a pas très longtemps. J'ai vu le... Enfin, j'ai trouvé le lien du replay de l'émission. Je pense que je vais le regarder, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, bah, du coup, c'est... Globalement, il a mon âge. Enfin, grosso modo, à un an près, je pense. Donc ça peut être bien, enfin sachant qu'on a des vies un peu différentes, je pense que ça peut être intéressant de voir ce qu'il a raconté. Après je le connais pas personnellement donc je saurais pas le juger mais... Enfin je regarde pas spécialement ce qu'il fait. À une époque je regardais. Et Mercurochrome, le pansement des héros, waouh. Mais du coup plus maintenant donc je sais pas vraiment ce qu'il est devenu. Ah bah voilà, ça y est, Sixox est réveillé. Donc voilà, c'est pareil, donc pour ceux qui sont là, qui découvrent, si jamais vous avez des potes que vous avez dans la vraie vie, vous pouvez dire Mercurochrome, le pansement des héros, et à la manière de la pub d'il y a quelques années, qui répétait 3, 4, 5 fois en boucle le Mercurochrome, le pansement des héros, et bah des gens peuvent reprendre ça derrière, le redire, et dans ce cas-là, ça spamme les gens en vrai. Et ça, c'est du génie, parce que en plus de spammer sur des chats, et ben vous pouvez spammer dans la vraie vie. Et ça, ça c'est magnifique. Oui, magnifique. J'avais rien de mieux pour le qualifier. Désolé. Donc là, il va falloir qu'on casse des cailloux pour trouver notre échelle. Non, ça, on a quand même suffisamment d'énergie pour le faire. On fait gaffe à l'heure, bien évidemment. Sinon, Marca va nous engueuler. On le sait, hein, on le sait. Ouais. Et ben, je crois qu'on ne l'a pas trouvé. À moins qu'elle ait apparu quelque part. Enfin que non, c'est même pas en tuant un monstre qu'on l'a trouvé. Ah bah voilà, elle est là. On a vraiment plus beaucoup d'énergie. On a des omelettes à manger. On va en manger une histoire d'eux. Si on peut continuer de récupérer un peu de fer, hein, moi ça va m'arranger. On va essayer d'éviter de casser trop de cailloux non plus. Je sais pas pourquoi non plus, on va juste essayer d'éviter de casser trop de cailloux. Pas besoin de rajouter des mots dans les phrases, hein, des fois ça suffit. Putain, je me rappelle jamais des musiques des grottes et c'est vrai qu'elles sont vraiment bien. La personne avec le plus de vocabulaire au monde, la musique elle est bien. Y'a pas de fer à cet étage, eh ben dis donc. Tu viens plus aux soirées? Ah non, c'est pas ça. On a pas de chance. On n'a pas de chance. Faudra que je passe à la guilde des aventuriers un de ces jours pour voir si s'ils ont des nouvelles s'ils ont des nouvelles épées ou du nouvel équipement intéressant. Je pense que ça pourrait être sympa de s'armer un peu mieux peut-être. Enfin quoique notre épée est quand même pas dégueu mais y a peut-être moyen d'avoir mieux. Et aussi voir l'avancement, enfin notre avancement dans la quête de la guilde des aventuriers qui sera peut-être un des trucs qui prendra le plus de temps dans toute l'aventure, si jamais on veut la compléter, hein, bien évidemment. Donc qui consiste à tuer je sais plus combien de centaines de milliers de monstres de chaque espèce. Centaines de milliers, j'exagère peut-être un peu. Ah bah voilà, il est 11h20, du coup on va rentrer immédiatement. De toute façon il est déjà trop tard pour qu'on soit couché avant minuit. On va se faire engueuler. C'est pas grave. Oui voilà, va falloir remonter. Ah tu l'as dit trop tard. C'est de ta faute. Pas du tout.
Il faut se dépêcher! Comme le disait le perroquet dans Unlock, évidemment. Peut-être falloir que je boive mon thé, moi, parce que sinon il va être froid et j'aurais même pas commencé. Enfin, je l'aurais même pas connu un minimum tiède. Ouais, il est déjà pas mal tiède. Déjà pas mal. Et va falloir qu'on dise au revoir à YouTube d'ailleurs. Ça fait 45 minutes de vidéo déjà. Donc YouTube, merci à toi d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vert, à t'abonner à la chaîne et à nous rejoindre en live si jamais tu as envie. Des bisous. Le délai, bah oui, le délai. Faut juste que je regarde. Alors attends, c'est quoi? T'avais dit qu'il y avait de l'herbe qui bougeait quelque part? Au bout du chemin. Ah, j'ai pas compris. Je sais pas où c'est. Enfin, il y a un coup de bêche à mettre quelque part. Mais je sais pas où en fait. Ou alors c'est peut-être trop tard. Tant pis. Ah, on récupère notre miel, regardez. Hop. On va se le mettre de côté parce qu'on en a besoin pour un bundle. Et on va vite dormir parce que sinon ça va pas aller. Ah si, on va quand même se préparer notre mayonnaise. Et voilà. On va aller au lit. Sans Penny, malheureusement. Ah, et niveau 6 en foraging. On peut fabriquer un lightning rod. Ah oui, pour... oui. Donc, parce que je suppose que ça peut... les éclairs peuvent péter nos plantations. On peut se fabriquer des graines sauvages pour l'automne. Et on peut se fabriquer des totems de téléportation pour la plage. Donc on en a déjà quelques-uns qu'on avait récupérés dans les bundles, je pense. Mais bon, on peut les fabriquer. Donc ça débloque des recettes de craft, ce qui est plutôt chouette. Va falloir qu'on essaie d'en faire, parce qu'on n'a pas fait énormément de craft et ça débloque des succès. Donc voilà, donc des bisous YouTube.